Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une ouverture qui s'effectue sur un gap baissier. Ce matin, avec la clôture et donc la séance très peu volatile que nous avons eue hier, on est venu ouvrir ici en petite baisse. Pour l'instant, il semblerait que le CAC 40 tente un rebond pour chercher un comblement de ce gap. Malgré tout, du point de vue de la configuration globale, on reste toutefois dans une dynamique haussière où nous pouvons constater ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de support. Et puis, nous sommes ici sur une phase de stabilisation après un enfoncement de la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise ici le mouvement de consolidation. Les histogrammes du MACD ici sont rouges. Le RSI redescend après avoir frôlé ici sa zone de surachat. Donc la configuration est une configuration de consolidation très court terme, mais d'une tendance qui reste orientée à la hausse. Attention toutefois, après ce mouvement haussier, on est loin d'être revenu ici tester le haut du trend. On est capé ici par le début de l'influence de cette résistance majeure des 4897 points. Donc pour aujourd'hui, tout va se jouer sur ce nœud d'éléments techniques que nous avons là, à savoir la zone des 4810 points. On a ici le gap qui a été ouvert et qui, en cas de tentative de comblement, eh bien, jouera un rôle éventuellement de support. On a la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce seront tous ces éléments qu'il faudra surveiller aujourd'hui pour éventuellement détecter une sortie de cette dynamique haussière. A l'inverse, si les cours viennent ici combler et dépassent ici une zone que l'on peut ici quantifier, voilà, cette zone ici de résistance de la séance d'hier à 4873 points, eh bien on peut avoir ici un retour de la dynamique haussière avec comme objectif la zone des 4897 points. Je rappelle que la zone des 4897 points est une zone majeure dans l'évolution court terme, mais aussi moyen et long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons à 10h30 des chiffres du travail, donc du salaire et du chômage au niveau de l'Angleterre, suivi à 11h du ZOO, donc le sentiment économique en Allemagne et en Europe. Cet après-midi, du côté des États-Unis, il faudra attendre 16h avec des chiffres de l'immobilier pour éventuellement avoir des chiffres macroéconomiques qui seront susceptibles de créer de la volatilité sur les marchés. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Attention, ce soir à 22h45, nous aurons les chiffres de l'inflation de la Nouvelle-Zélande pour ceux qui tradent sur ce marché. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.